de visiter le jardin secret de la forêt. Qu'aimeriez-vous faire maintenant? Si vous voulez vous amuser avec cette histoire, vous n'avez qu'à cliquer là-haut. Si vous voulez simplement écouter cette histoire, cliquez là-haut. Si vous voulez en apprendre plus sur la façon de vous amuser avec cette histoire, cliquez ici à gauche. Si vous voulez simplement passer à la partie de l'histoire que vous préférez, cliquez ici. Vous pouvez entendre cette histoire racontée dans une autre langue si vous cliquez là. Et si vous pensez qu'il est l'heure de nous dire au revoir, vous pouvez cliquer ici. À présent, vous êtes prêt à vous amuser par vous-même. Mais si vous avez besoin d'aide ou si vous vous ennuyez, vous pouvez toujours nous faire une petite visite. Maintenant, amusez-vous! Voici Winnie l'ourson dans la belle et verte forêt, où il vit joyeusement entouré de tous ses amis. Bonjour! Ça chatouille. Ça chatouille. Chaque matin, pour réduire son embonpoint, Winnie aimait faire des exercices. Car les exercices lui donnaient faim. Et avoir faim, ça voulait dire qu'il était l'heure du petit déjeuner. Salut, Winnie. Oh, bonjour. Bonjour, Winnie. Oh, bonjour. Salut, Winnie. Oh, bonjour. Poco, 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 poco. Poco, 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 poco.
Pour laquelle tu bourdonnes, c'est que tu es une abeille. La seule raison pour laquelle une abeille bourdonne, c'est parce qu'elle fait du miel. Et la seule raison pour laquelle elle fait du miel, c'est pour que je le mange. Winnie se mit à courir très vite afin de chasser les abeilles bourdonnantes jusqu'à un très grand arbre. En grimpant prudemment dans les branches, il découvrit beaucoup d'abeilles vrombissant autour d'une ruche. Chez son ami Jean-Christophe pour lui emprunter un ballon afin de voler vers le miel. Petit Nigo, on n'attrape pas de miel avec un ballon ? Moi, si. Ça, c'est ce qui s'appelle jouer un mauvais tour. Je vais jouer un bon tour à ces abeilles.
Petit Nigo, on n'attrape pas de miel avec un ballon? Moi, si. Forcément très attaché. Si vous voulez jouer avec moi, cliquez sur les jouets. Conduis-moi aux abeilles, s'il te plaît. Winnie commença à s'élever et flotter dans les airs jusqu'à l'entrée de la ruche. Et se servant de sa patte comme d'une cuillère, il en ressortit une poignée de bon miel doré. À quoi joues-tu, Winnie? Je ne suis qu'un petit nuage noir, bien sûr. Thank you.
coup. Je crois que les abeilles commencent à se douter de quelque chose. Elles doivent croire que tu veux voler leur miel. Oh, je vais t'attraper, Winnie. Ouf. Merci, Jean-Christophe. Sacré Nigo. Winnie n'avait pas encore pris son petit déjeuner, mais il savait que son ami Coco Lapin avait toujours de bonnes choses sucrées à manger. Hé oh ! Il y a quelqu'un dans la maison ? Oh là ! C'est Winnie et je crois qu'il a faim. Répondez ! Il y a quelqu'un ? Absolument pas ! Réfléchissons. Encore là ? Viens, petit gourou. Bip, 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 bip. Tu n'irais pas déjeuner chez toi ? Dis-moi. Let au fait mon nom, mais les tunnels sont impatients. Let au fait mon nom, mais les tunnels sont impatients. Est-ce qu'il n'y a vraiment personne là-dedans ? Personne ! Doit-on demander y a-t-il quelqu'un ou personne ? Oh, mais entre nous, Winnie ! Tu veux manger quelque chose ? Winnie mangea, 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 jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien dans la maison de son ami Coco. Thank you.
Il ne t'en reste vraiment plus. Je n'arrive pas à me souvenir où je l'ai mis. Maintenant, il va être l'heure de dîner. Au revoir, Coco. Au revoir, Winnie. Oh, je suis bloqué dans l'entrée de la porte. Oh, mince, je suis coincé. Quand Winnie voulut sortir de la maison de Coco Lapin, il se trouva soudain coincé. Son ami eut beau le pousser et le tirer de toutes ses forces, il ne put dégager le volumineux ourson. Il n'y avait plus qu'une seule chose à faire, attendre que Winnie émincie. Philosophe, Coco Lapin entreprit de décorer sa nouvelle porte. Oh, mon cher Winnie! Oui. Mauvais tour. Oups, mauvais tour.
Pour quelque chose de pas mal, c'est excellent. Je crois. Pendant que Winnie attendait, résignée, de perdre ses kilos encombrants, ses amis l'aidaient à passer le temps. Jean-Christophe lui lisait des histoires en sautant les passages qui parlaient de nourriture. Maître Hibou lui expliquait, avec force détail, qu'il était impossible à quiconque de rester coincé dans une porte. À mon humble avis, cher ami, tu es coincé, malgré le fait que ce soit impossible. Bourriquet lui disait de garder courage. Tu crois que ça va prendre longtemps ? Peut-être quelques jours, quelques semaines ou quelques mois. Et la douce maman gourou s'assurait que la partie visible de Winnie passerait une bonne nuit. Mais parfois, Winnie se sentait bien seule et fredonnait une petite chanson pour passer le temps. Dum da dee dum dum da dum dum. Dum da dee dum dum da dum dum. Crois-tu que je devrais tout faire sauter pour te décoincer? Il suffirait de 3 ou 4 bâtons de dynamite? Oh non, la taupe! Je ne voudrais pas te causer de problème. À ton gré? Encore là, je vois. Ça va, Winnie. Oh, bonjour, Tigrou. C'était PM, c'est tout pour le moment. Oh, bonjour, Tigrou. Encore là, je vois. Continue comme ça, Winnie. Tu maigris à vue d'œil. Continue comme ça, Winnie. Tu maigris à vue d'œil. Psst, dis, tu n'aurais pas une petite bouchée de quelque chose de sucré par hasard? Oh, ça, j'en étais sûr. Je t'ai apporté quelque chose, Winnie. Oh, du chèvrefeuille. Comme si ce n'était pas assez de se sentir frustré par cet ours qui encombrait sa porte d'entrée, Coco Lapin se lamentait de voir sa maison sans dessus-dessous chaque fois que Winnie se mettait à éternuer. La prochaine fois que j'inviterai cet ours à déjeuner, j'éviterai. Thank you.
Coco Lapin, ses fleurs m'ont chatouillé les narines. La prochaine fois que j'inviterai cet ours à déjeuner, j'éviterai. Excuse-moi, Coco Lapin, ces fleurs m'ont chatouillé les narines. Ah ! Oh ! Il bouge ! Ouah ! Il bouge ! Il a bougé ! Tout le monde arriva pour essayer de décoincer Winnie de la porte d'entrée. Et chacun se mit à tirer de toutes ses forces pour aider le petit ourson trop ventru à se dégager. Venez tous, les amis, sortons Winnie de son trou! Pense que tu es mince et nous allons vite te sortir de ce guêpier. Courage, tiens bon encore un peu, Winnie. Il sort tout droit de l'image. Winnie fut éjecté comme un bouchon de champagne et se retrouva perché en haut d'un arbre. Encore coincé. T'en fais pas, Winnie, on va te sortir de là. Oh, il n'y a rien qui presse. Heureusement pour Winnie, l'arbre dans lequel il se retrouvait coincé était très spécial. Il n'aurait plus à s'inquiéter pour ses petits déjeuners, ses dîners ou ses 4 heures pendant très 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 longtemps. Oh, il faut que je rattrape le temps perdu. Voudriez-vous entendre encore cette histoire, ou est-ce déjà l'heure de vous en aller? J'espère, mes amis, que nous nous reverrons très très bientôt. Au revoir.